Accessing library computer data. Bon, on va finir les Golden Sourcing News. Près du pont Indiana Jones. Voilà. Il est là. Voilà. Pont Indiana Jones. Oh, oui, moi, je me promène sur le pont Indiana Jones, moi. Mais non, je me promène pas pendant l'heure de promenade des prisonniers d'une heure là, au quai de la Seine ou le pont de l'Alma. Non, non, je me promène sur le pont Indiana Jones, hein, à 1750 mètres d'altitude. Voilà. Alors, pour finir les news, il y a une news intéressante dans la dernière vidéo de Vivek, le dernier rapport qui fait une fois par semaine ou plus. À Liverpool, 2000 militaires vont être envoyés ou sont envoyés pour passer les fameux tests de force à tous les habitants de Liverpool, qui est une grosse ville anglaise. Oh, Liverpool, c'est de là qu'ils viennent, les Beatles, tout ça. Je vous ai déjà expliqué que les Beatles avaient été supervisés par le lit satanique, coordonné par John Lennon, un journaliste allemand, et puis beaucoup de symboles dans leurs chansons. Voilà. Et puis ça va être étendu à toute l'Angleterre. Donc des militaires qui vont obliger les gens à leur mettre de force une grande tige dans le cerveau. Et ça va être étendu à toute l'Angleterre. Alors comme ceux qui s'occupent des planètes de l'humanité et qui dirigent tout ce qui se passe sur la planète, hein, et ben ils vont faire pareil partout. Hein. Alors vous pouvez vous y attendre. Déjà avec les lois, il y a le député là qui a gueulé, j'ai fait une petite vidéo, je ne sais plus comment. Ça va être possible ici aussi, bien sûr que des gens vont venir sur vous et vous obliger à passer le test, ou si vous passez le test fort et que vous êtes un cas grave, et ben vous serez enfermé et en isolation à la maison, à l'interdiction complète de sortir. Et dans la loi qui vient d'être passée par un samedi soir là, à l'Assemblée en France. Bon ben, on termine les news là-dessus. Quoi, il n'y a pas de news positive, ben, je sais pas, moi, les Allemands manifestent en masse contre le confinement et toutes les mesures sanitaires qui, disent-ils, ne sont pas nécessaires. Ils ne pas, hein, l'élite, hein, oui, bon. Mais c'est eux qui disent ça, c'est les manifestants. Ils ne mettent pas de masque, là, en Angleterre, en Allemagne, je sais pas, et Berlin, Leipzig, tout ça partout. Et alors, pas de masque, contre le confinement, tout ça. En Grèce, pareil, contre le confinement, grosse bagarre contre les policiers, idem Barcelone, idem partout. Et en France, oh non, en France, non. Ben, je sais pas, le batch de nanorobots a dû être suraugmenté, surdimensionné sur la France depuis 20 ans. Hein? Alors avec tous les nanorobots dans le cerveau, qui fonctionnent très bien, les lits qui marchent très bien. Oh là là, c'est formidable. Ça marche super bien, ce qui fait qu'en France, ça bouge pas, quoi. Et alors les lits sont bien contents, bravo pour vous, hein? On est bien contents pour vous.
Homme blanc, ramasser beaucoup de bois. Alors, hiver très froid, dit le Mohawk. C'était du collège, je crois. C'était bien, hein? Ah ben oui. Ben oui, parce qu'il fait froid, hein? C'est frio, hein? Alors, peut-être bien que c'est vrai, hein? Non, mais c'est pas les troncs, hein, là, attention, hein? Bon, forêt domaniale, et dans la forêt domaniale, on peut ramasser les branchioles, les petites branches, les trucs que les grumiers, ouais, les grumiers, là, qui passent, là, et puis quand vous les croisez avec votre voiture, mais ils s'arrêtent pas, hein? Votre voiture, elle est aplatie comme une crêpe, comme une pancake des Américains, là, qui est horrible à manger. Aplatie complet, hein. Non, c'est forêt domaniale. Il y a des branches partout, des morceaux de bonnes branches. Voilà, et c'est le bois pour l'hiver très froid, dit le Mohawk. Bon, je crois que je vais couper en deux. Non, pas le bois, non. Le Golden Star Seed News, si on doit être trop long. Je suis désolé, mais je suis obligé de faire des vidéos de 15-17 minutes. Parce que sinon, ça met des jours à charger. Puis après, alors, vous voyez une vidéo qui a été faite 4-5 jours avant, mais ça va pas, ça. Hein? Oui, on va essayer de régler cette affaire d'Internet, mais faudra. Je ne suis pas tout seul à avoir des ennuis. L'ordinateur de Mika, super bécane, il a quasiment explosé, quoi. Il est capot de complet. Alors, on va essayer de continuer dans un aspect un peu plus avancé. D'accord ? Le Björg, il dit Björg. Moi, les Suédois, ils sont pas cons comme les autres, hein. Ils se baladent partout, ils vivent normalement. Pas de masque, rien du tout, hein. Et puis les copains à côté de Finlande, puis plein de pays pareils, hein. Et puis les Allemands, ils disent autorité, votre masque, hein, vous pouvez vous le mettre où vous voulez, hein. On s'en fout, nous. Et puis confiné, on sort quand même. Et oui, c'est pas comme en France avec les confinés, les confinés, comme dit Mika. Attendez, on va passer à quelque chose de plus haut, là, bougez pas. Donc, on passe à un niveau un peu plus haut. Cette partie 2 des news, je la mettrai quand même sur les groupes GJ, parce que ils ont besoin de passer à un niveau supérieur. Peut-être le Val de Travers. Pardon. Peut-être que comme ça, un mouvement, toujours avec cette bonne couleur, hein, deuxième rayon. Jaune, deuxième rayon, très bonne couleur. Intellect, liberté et tout ça. Très bien, faut garder. Alors, s'il y a beaucoup de Jésus qui captent ce qu'on dit là, peut-être que ça va démarrer quelque chose d'autre, on ne sait pas. Alors, pour cette deuxième partie... Ben, j'en ai mis un morceau avant, mais enfin, on continue la deuxième partie. Là. On va revenir à une déclaration de Julien Assange, qui est un vrai journaliste libre, comme nous, et qu'ils sont en train de laisser mourir en prison, et que tout le monde s'en fout, mais tout le monde s'en fout. Il préfère faire des manifestations, oh ben, contre celui qui a été décapité là, par des méchants. Oui. Oh, et puis les soignants, bah, il faut qu'ils aient besoin de matériel, les soignants, parce que ça va pas dans les hôpitaux. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le truc d'aujourd'hui. C'est d'avant, ça. Oh, non, mais il y a plein de morts partout, on ne sait pas comment s'occuper des morts. Il n'y a pas plus de morts que la grippe normale. Il y a plein de gens qui vous l'expliquent, c'est pas moi qui vais vous leur dire. Il y en a marre. Il y en a marre maintenant d'expliquer ça. Si les gens, ils sont trop cons, fini. Hein, pour pas capter la vérité, ben t'es plus pour eux. Alors, on est obligé de revenir donc à Julien Assange, qui, dans une des multiples audiences là, bon ben, s'il est extradé aux États-Unis, vous inquiétez pas, que ce soit n'importe qui comme président, il n'est pas clair du tout. Hein. Parce que moi j'ai été dans leur prison et leur camp, et je sais comment ça se passe. Hein.
C'est des fous complets, c'est des Gestapo complets. Hein. Ça vaut largement. C'est pire que les camps de prisonniers militaires en Allemagne. Hein. Bien, bien pire. Hein. C'était de la rigolade à côté. Excusez-moi. On parle des prisonniers militaires, hein, pas de reste. Donc Julian Assange a dit, un de ses juges, ou une de ses juges, qui demandait, mais pourquoi vous faites tout ça, monsieur Assange, là, pourquoi vous dévoilez plein de choses et vous faites tout vous dans vos trucs, tout ça, tout ça. Madame, je peux pas faire autrement, c'est dans mon ADN. Alors, il y a plusieurs choses, là. Il y a plusieurs choses. Uno, Julian Assange a un ADN différent. Ça va? Vous pouvez accepter ça? C'est good. Dos. Les gilets jaunes ont un ADN différent. Sinon, ils n'auraient pas pu s'éveiller comme ils l'ont fait et continuer à s'éveiller depuis 2 ans et ne rien abandonner et tout ça. Donc ça veut dire que leur ADN est différent. Il est comme celui de Julian Assange. Pareil. Tres. Oh bah, il y a toujours la couche de métal. Hein. Alors, je vous ai expliqué dans le numéro 1 des news que depuis 20-25 ans, les chemtrails ont balancé avec plein d'autres choses. Chemtrails, pas chanterelles, c'est pas des champignons. Chemtrails, chemical. Chemtrails. Les chemins de randonnée, ce sont des trails. C'est le trail, on suit le trail. Donc, chemtrail, ça veut dire traînée chimique. Voilà. Alors, dans toutes les traînées chimiques, il y a les fameux nanorobots. Vous avez vu un morceau, et on vous mettra une photo, là, peut-être au début encore, je ne sais pas. Et puis, que vous compreniez bien ce qui se passe. Que ces nanorobots, dans le cerveau des gens, parce qu'ils y sont maintenant, ça y est, depuis des années, même à Montpellier, oui, même à Montpellier aussi. Mais même s'ils se battent bien à Montpellier, il y a beaucoup au travers qui ont les nanorobots dans le cerveau. Oui, mais non, mais alors, ceux qui sont veillés, ils ont aussi les nanorobots? Yes, sir. Yes, ma'am. They surely have. Alors, oui, mais alors, quel est le point là? Ben, le point, c'est à cause de l'ADN. Comme l'ADN est différent, eh bien, le cerveau ne réagit pas du tout de la même chose que pour des ADN de serfs du Moyen-Âge, d'esclaves de l'Empire romain, de tous les empires, de tous les pharaons, tout ce que vous existez, qui ont eu des incarnations et qui se retrouvent aujourd'hui dans cette vie d'aujourd'hui comme des moujons, moutruches, confinés, tout ce que vous voulez. Alors, chez eux, ça marche impeccable parce que le cerveau, il est fabriqué comme ça, quoi. Il a été programmé comme ça depuis des décades, des éons, des milliers d'années. Oui, mais alors, ceux qui les éveillaient, alors. Les éveillés, comme ils ont un ADN différent, l'effet des nanorobots n'est pas le même. Non. C'est-à-dire que, si vous voulez, les nanorobots envoient des instructions, des ordres au cerveau. L'ADN qui est différent, lui, il va envoyer des contre-mesures. Des contre-mesures. Vous voyez, comme le Nathan James, le destroyer Nathan James dans la série The Last Ship. Quand il reçoit un missile d'un sous-marin, je vois quoi, une torpille, il envoie des contre-mesures. Donc l'ADN envoie des contre-mesures qui vont bloquer les fréquences émises par les nanorobots, parce que tout est fréquence, hein, physique quantique. Vous êtes d'accord tous là-dessus? C'est pas compliqué, physique quantique. Ah ben oui, mais c'est plus difficile à comprendre que le cran des millions ou anti-capitaliste. Oui, c'est sûr que c'est un peu plus difficile à comprendre. J'espère que ceux qui ont passé ce stade, ils sont en train de regarder ce genre de vidéos. Déjà ça, un. Deux, on a vu dans l'animation que les nanorobots créent des synapses artificielles entre les parties du cerveau. Surtout la partie intuitive
qui aide au développement spirituel. Hein, le grand mot, il est là, c'est spirituel. Ah bon? André Malraux a dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Voilà. Même que c'était un gaulliste, droite et tout ce que vous voulez, il l'a dit. Il l'a dit. Parce qu'il n'était pas fou, il savait exactement ce qui allait se passer. Il était bien au courant. Et d'autres aussi. Donc, les synapses artificielles faites par un nanorobot sont compensées chez les gens qui sont éveillés. Ça va, vous arrivez à suivre? Sinon, regardez encore une fois Jean-Jacques Crèvecoeur. Hein, dans l'info en question, il y a le numéro, je ne sais plus, 60, je ne sais plus. Déjà 60? Je ne sais plus. Oui, enfin bref, où il y a un morceau sur la physique quantique. Alors, il ne faut surtout pas le louper, celui-là. Quand des êtres humains, des animaux, des sages, le 101e sage, j'en ai déjà parlé, cherchez sur Internet le changement de paradigme du 101e sage ou le 101e sage, c'est expliqué. Donc même chez les singes, ou les bambis, ou les loups, ou les marmottes, ou tout ce que vous voulez, tous les félins, tout ce que vous voulez, tous les zoos, il peut y avoir des changements de conscience chez un ou plusieurs individus qui vont s'étaler, qui vont s'infuser dans toute la masse de la race en question, et qui va faire un changement de paradigme, celui du 101e singe. Pourquoi? Parce que quand on a un changement de conscience, même qu'il soit très basique, j'en ai pas là, gnac, gnac, gnac. Alors dit la jeune singe, au vieux singe là, oui, mais il faut toujours faire pareil avec vous, hein, il n'y a rien à faire, hein. Ah bon, on a déjà fait, on faisait comme ça avant, maintenant on fait comme ça. Donc vous bouffez votre patate douce là, pleine de sable. Ouais, on a tout fait comme ça, bon là. Eh bien, la petite, elle dit, moi je vais la laver ma patate, parce que ce sera meilleur si je la lave. Voilà. Et puis les autres petites, elles voient ça, elles font pareil. Puis tous les jeunes font pareil, etc. C'est le 101e singe. Pourquoi? Parce que dans le cerveau de la petite singe, je ne vous rappelle plus son nom, vous la retrouverez. Cette prise de conscience, que c'était complètement dingo de bouffer une patate douce avec plein de sable dessus, que ce serait meilleur si on la lavait. Bon. C'est une prise de conscience. Que fait une prise de conscience dans le cerveau, là-dedans, où il n'y a plus que des petits pois en France? Avant, on disait que ceux qui font les violences policières, c'était du tout petit pois. Mais je crois qu'ils ne sont pas tout seuls à avoir un petit pois là-dedans. Il y en a plein d'autres aussi. Quand vous avez une prise de conscience, comme ça, ou plus grande, hein, en se disant, oui quand même, hein, les étoiles et tout, il y a forcément des planètes ailleurs, c'est forcément habité. Donc voilà, to be or not to be, qui suis-je, qu'est-ce que je fais ici, etc. Bon, à des moments donnés, il y a des prises de conscience qui se font. Que fait la prise de conscience? Je vous le dis, je vous le donne en mille. Eh bien, cherchez, vous verrez voir, demandez à des scientifiques, ceux qui ne sont pas achetés par Big Pharma et autres, hein, qu'on n'en voit pas dans les merdias, là, ils vont vous dire que les cellules nerveuses se recréent tout le temps. C'est pas vrai ce qu'ils disent à l'école. À partir de 22 ans, toutes vos cellules nerveuses commencent à mourir, puis après vous devenez un légume. Oui, c'est ça, oui. C'est ça qu'ils apprennent, les lycéens, les collégiens, les. Eh ben merci, c'est pas la peine d'y aller, hein. C'est pas la peine d'y aller, hein. Faites grève devant, mais ne rentrez plus dedans pour apprendre des conneries pareilles. La prise de conscience va créer des arcs électriques entre différents groupes de cellules du cerveau, y compris le cerveau gauche et le cerveau droit. Ces arcs électriques vont se lier et le long de ces arcs électriques vont se créer de nouvelles synapses qui sont des filaments nerveux, des cellules nerveuses nouvellement créées qui vont relier des groupes de cellules et tout ça, ça va faire un nouveau fonctionnement dans le cerveau, des ouvertures de conscience et ça, c'est ça qui fait les gens qui se réveillent. Les gens éveillés, ils sont éveillés.
parce qu'il y a beaucoup de synapses qui se sont construites comme ça. Et ces synapses sont plus fortes, parce que la lumière est plus forte que les ténèbres. Hein. Ces synapses sont plus fortes que les synapses artificielles des nanobots. Voilà. Alors ceux qui n'ont jamais fait de prise de conscience et qui continuent à bouffer la patate douce pleine de sable et le steak qui a été fabriqué, on ne sait pas trop comment, eh bien ils ne risquent pas d'avoir des synapses nouvelles, qui vont annuler les nanorobots dans le cerveau, qui font qu'aujourd'hui, les gens sont devenus des complètement zombies. Et ça ne va pas s'arranger, puisque dans la tige, là, au bout, il y a des nanorobots et plein d'autres choses, y compris même des vax spéciaux, des pré-vax et tout ce que vous voulez. Dans le pchit-pchit, il y aura encore d'autres nouveaux nanorobots. Alors le nombre de nanorobots dans le cerveau va pas s'arranger du tout, et ça va faire, ben, évidemment, les Borgs complets, j'ai déjà dit. Tiens, on va le remettre là, un extrait dans Star Trek Next Gen, ou dans un film, ouais, dans un film, où on voit comment les gens sont transformés en Borg, en cyborg. Voilà, on arrête là les news. Et ça, c'est des news à capter, dont on vous parlera jamais dans les médias contrôlés, qu'ils soient télé, radio, journaux, n'importe quoi. Et il n'y a pas beaucoup non plus sur Internet qui parlent de ça. Eh bien, regardez ma chaîne, vous en aurez plein d'autres comme ça dans le même genre. Jean-Michel, syndicat des journalistes écrivains, Capitaine Coureur des Bois, salut. Aou. Thank you.